À cet instant, je rencontrai une petite lapine et découvris mes propres instincts. T'as l'intention de dévorer ton propre camarade? On a toujours été dans la même classe! Finalement, pour vous, les carnivores, on est juste des morceaux de viande, c'est ça ? Les carnivores sont des monstres, sans exception! Attends-moi! Dévoré? Vous avez appris la nouvelle? C'était Thème du club théâtre. Quelle horreur! Tu le connaissais? Il était dans le même club que toi? On répétait ensemble pas plus tard qu'hier. Enfin, c'est forcément un carnivore qui l'a assassiné. Je sais pas, j'en suis pas aussi sûre que ça. C'est sûr, c'est obligé. Qui d'autre tu veux que ce soit? Moi, ce que je trouve bizarre dans cette histoire, c'est que la victime soit justement un étudiant en art dramatique. D'autant que le club théâtre est l'un des seuls clubs où herbivores et carnivores s'entendent aussi bien. Je crois qu'il y a un loup gris qui fait du théâtre avec toi. Alors fais attention si tu ne veux pas qu'il t'arrive la même chose. Ce qui vient de se passer, je ne pourrai rien avaler. Moi non plus, je n'ai pas faim. Ça craint. Ouais, carrément. La représentation aura lieu dans 2 semaines, pas vrai? Du coup, il va falloir remplacer Thème. Ouais. Franchement, Kai, je me demande ce qu'on fait là. C'est l'un des nôtres qui s'est fait dévorer. C'est dingue, j'arrive pas à y croire. Et Louis, qu'est-ce qu'il fait? Il participe à une réunion. Ça va aller, Else? C'est bon, tout le monde est là. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Je suppose que vous êtes tous au courant. Il s'est passé un drame épouvantable ce matin à l'école. Un de vos camarades comédiens, Thème... Monsieur, il n'y a que dans ce club théâtre que Thème pouvait être en contact avec des carnivores. Oui, et alors? Tu crois que c'est l'un de nous le coupable? Peut-être que Thème suscitait beaucoup de jalousie depuis qu'il avait décroché le premier rôle. Alors toi, tu commences à me taper sur les nerfs! C'est pour ça que je ne peux pas blairer les herbivores! Quoi? Tu veux te battre? J'arrive pas à casser ma noisette. Il est où, les gauchis? Pourquoi tu veux voir les gauchis, petit? Ce n'est pas un casse-noisette, tu sais. Ça suffit, apparemment, les gauchis n'est pas venu.
C'est pas dans ses habitudes. Je me sens pas rassurée. Il me fixait comme si j'étais une proie. D'après son regard, je suis la prochaine, j'en suis sûre. Allons, dis pas de bêtises. C'est normal, les gauchis font toujours une drôle d'impression la première fois. Mais t'inquiète pas, si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas à frapper à la porte de ma chambre à n'importe quelle heure. D'accord, merci. Alors bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. Ne t'approche pas.